Good morgen, allez, Iden, les tuches aujourd'hui, le lunishmat, machlouf, micha, ben, masouda, nachman, yosef, ben, nachmoum, ben, nachoum, avraham, chay, norber, ben, fortune, mazal, dov, ben, yudit, et nissan, ben, mafret. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider une prochaine étude de Mishnah, conductée de 5 minutes éternelles, nous étudions ma sechet amit, perek, gemel, Mishnah vav, mi, shezacha, bedishun, misbea, chapenimi, veha, menora, hayu, makdimin, veha, arbaa, kelim, beyadam, ateni, veha, kouz, ou shtei, maftechot. On a débuté depuis le début du chapitre 3, le Korban Atamid. Concrètement, comment le faire? Comment tirer au sort? Vérifier qu'il fait jour? Aller chercher le Korban Atamid? Et puis... Après, dans la Mishnah précédente, on avait déjà vu qu'on se préparait à aller l'égorger, à lui faire la shrita. On avait le Kohen qui avait gagné le prix d'égorger le Tamid, qu'il a porté dans les Tabaot. Et en parallèle, la Mishnah nous dit, Mishezacha Bedishun, vous vous rappelez dans le tirage au sort, on avait tiré au sort Mishochet, Mizorek, donc deux Kohanim qui vont s'occuper du Korban Tamid. Et juste après les deux autres d'après, c'était Mi Medashen Misbeach Apnimi ou Mi Medashen Antemenora. Au tirage au sort, on s'occupait à la fois du Korban Tamid et aussi de faire l'actorette, préparer, mettre l'actorette sur le Misbeach Hazav, ici dans le Echal, et aussi de la Menorah, d'allumer la Menorah. Parce que, comme le Passouk nous dit, comme on dit dans les Korbanot, on raconte la Baraja. Et là-bas, on évoque le fait qu'il faut, en parallèle, presque en même temps, comme ce qu'on va voir, que les avodot s'entrecroisaient, en fait. Pendant qu'on fait le Korban Tamid, on allume aussi les Nerot, et on apporte la Ktoret, et on allume aussi les Nerot. D'accord? Presque en même temps, il faut commencer un peu avant, qu'on commence le Tamid, on continue encore un petit peu, puis après on continue le Tamid, et puis après on finit les Nerot et la Ktoret. Et c'est ce que la Mishnah nous raconte. Celui qui a gagné le droit d'être médachène le Mizbeach HaPenimi, de vider les cendres du Mizbeach HaPenimi, qui inclut aussi de vider les cendres et d'apporter les nouvelles braises. Ouais. Et de même aussi, Ve'amenora, celui qui doit s'occuper, lui, de vider, de nettoyer la menorah, de préparer l'allumage de la menorah. Je vous avais dit qu'il y avait une marloquette entre le Rambam, qu'on verra à la fin du chapitre, entre le Rambam et les autres Mefarshim, est-ce qu'on rallumait les Nerot le matin, on ne rallumait pas les Nerot. Mais quoi qu'il arrive d'après tout le monde, il fallait être métive les Nerot, il fallait enlever tous les petits charbons qui se formaient, tous les restes de cendres qu'il pouvait y avoir. Donc, ces deux personnes-là qui ont gagné le tirage au sort, donc, de vider les cendres du Mizbeach HaPnimi et de la Menorah, Hayum Magdimin. Il devait devancer. Il devait devancer qui? Il devait devancer la Mishnah Hey, en fait. Où on a vu le Kohen qui avait eu le Korban Tamid qui devait se diriger vers les Tabot et se préparer à faire la Shrita. Avant qu'il commence la Shrita, on avait deux Kohanim qui couraient, qui allaient prendre des ustensiles, comme ce qu'on va voir tout de suite, pour rentrer dans le Oulam et se préparer à ouvrir le Echal, comme ce que la Mishnah prochaine, celle-ci, la prochaine. Et je crois même que si la Mishnah Chet encore, elle va encore s'étaler. Ouais, les deux prochaines Mishnayot, on va s'étaler pour nous raconter comment est-ce qu'on ouvre le Echal. Donc, la Mishnah nous dit, celui qui a gagné le droit de vider les cendres du Mizbeach HaPnimi. Vea Menorah, et de vider les cendres de la Menorah aussi. Hayu Magdimin, il devait devancer avant qu'on fasse la Shrita du Tamid. Varba Kelim Beyadam. Il prenait en main quatre ustensiles qui sont Hateni, Veakuz ou Shtem Aftechot. Le teni, c'est une sorte de grand panier. Veakuz, c'est encore une sorte d'ustensile aussi. C'est plus petit cette fois-ci. Une sorte de petite cruche. Un petit bol. En fait, c'est simple, c'est pour ramasser les cendres. Un, dans le Mizbeach Hazav, il y avait beaucoup de cendres. Relativement, donc il fallait prendre le teni, qui était plus gros, ce panier, et le kouz, qui est une sorte, c'est un peu comme on pourrait dire un kos, un verre, c'est le même,
Kiton, un. D'accord, une petite kehara, un petit ravier comme ça, où il fallait ramasser cette fois-ci les cendres. Les cendres, le charbon de la menorah. Ushte maftechot, et aussi il fallait prendre avec eux deux clés. Pour ouvrir, en vue d'ouvrir le Echal, comme ce qu'on va expliquer un peu dans cette Mishnah, et surtout dans la prochaine Mishnah, mais on va déjà donner un peu plus d'informations déjà dès maintenant, comme ça quand on réétudiera ça demain, ce sera plus facile. Ateni, domé les tarkav gadol shel zahav. Le teni, le premier ustensile, là, donc le grand panier, le panier, il ressemble à tarkav gadol, un clé qui s'appelle un tarkav, selon sa mesure, qui était un grand ustensile, shel zahav qui était en or. Tarkav, en fait, c'est tré vekav. Tré kav, vekav, donc ça fait trois caves. Soit, vous vous rappelez le Eskalav Gudo, Efa Sea Kav Log Beitza, on a Efa Sea Kav Log Beitza et Gudo, Gimel Vav Dalet Vav, donc on a entre le Kav et la Beitza, la Beitza vous savez bien ce que c'est un œuf, 56 cm3, eh bien on a le Log c'est 6, et le Log c'est 6 Beitza, et le Kav c'est 4 Log. Ouais, on avait déjà calculé quand on apprenait dans Menachot que le log en fait c'est l'équivalent d'une canette de coca, quoi. Enfin 330 millilitres, plus ou moins, 325, 24, plus ou moins. Donc en fait, imaginez fois 4, ça fait 1 litre 3. La Mishnah nous dit que ça faisait 3 caves, donc ça fait l'équivalent de presque 4 litres, plus ou moins. Un ustensile qui avait un volume de 4 litres extérieurement, qui était tout en or. Marzik kabayn vachetzi, en réalité, sa contenance, elle n'était que de 2,5 caves. Parce qu'en fait, il y avait de l'épaisseur. Extérieurement, c'était un gros ustensile. Mais en fait, il y avait une grosse épaisseur de paroi. Comme ça, le Tiferet Israël explique. Vakuz domé les kiton gadol chez Zav. Tandis que le kouz, c'était encore, c'était une autre sorte de, comment dire, de ravier, de cruche, je sais pas, qui était grand en or. Et à part ça, il y avait aussi ushte maftechot. Il fallait prendre aussi deux clés. Echad yored la matashechi. Un, littéralement, qui fait descendre jusqu'au bras de l'aisselle, je ne sais pas comment traduire cette phrase un peu, ça fait descendre le bras jusqu'à l'aisselle. On va expliquer tout de suite. Echad poter kevan, et un autre qui ouvre directement. En réalité, en fait, ça se passe comme ça. Ce sera mieux expliqué dans la Mishnah Zayin, mais déjà, on a dit qu'on explique un petit peu le principe. Le Echal, il avait deux grosses portes, qui se fermaient depuis l'intérieur. Or, quand vous fermez une porte et vous restez dedans, ben vous restez bloqué. Il fallait bien sortir. Donc en fait, une fois qu'on avait fini de fermer le Echal, eh bien, il y avait ici ce qu'on voit ici, vous voyez ici dans le dessin là, vous l'avez dans la Choveret, vous l'avez dans le PDF qu'on vous avait envoyé. Vous voyez, à côté en fait, à côté du Echal, vous voyez ici un petit couloir comme ça. Ouais, il y a un premier couloir et un deuxième couloir. On aura l'occasion dans ma Sechet Midot d'expliquer c'est quoi toutes ces choses-là qu'il y a autour. Mais ce qui m'intéresse pour le moment, c'est ces deux petits couloirs. Ces deux petits couloirs, en fait, c'est pour qu'une fois qu'on a fini de fermer l'intérieur, on ressort avec une petite porte ici et une autre petite porte ici, comme ce qu'on expliquera plus longuement dans la prochaine Mishnah. Mais parmi toute cette histoire-là, il y avait deux portes. Et il y avait une des deux portes, en fait, pour l'ouvrir, il fallait prendre une clé, mais faire entrer sa main dans un trou qui était dans le mur, pour pouvoir aller le plus loin jusqu'à l'aisselle. Ouais, on rentre la main au maximum, et puis une fois qu'on est dedans, on tourne la main, et puis on réussit à mettre la clé pour ouvrir la porte. C'était les systèmes de portes blindées de l'époque, quoi. C'était compliqué à ouvrir, au moins comme ça. Même s'il n'y avait pas de voleurs qui pouvaient entrer au Beth Amikdash, puisqu'il y avait des montées la garde, mais quand même, il fallait bien fermer. Donc il y avait cette première clé. Et une fois qu'on a ouvert la première porte, alors on arrive à une deuxième porte, où cette fois-ci, il y avait une clé qu'on pouvait ouvrir directement. C'est ce que la Mishnah nous dit. Echad yored le amatashechi. L'un, une clé descend, est utilisée en descendant jusqu'à ce que la main arrive jusqu'à l'aisselle, donc en bas et on fait entrer dans le trou. Ve'echad poter keivan, et l'autre ouvre. Keivan, ça veut dire directement, en face, sans avoir besoin de tourner la main dans tous les sens. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.